Le jour où elle a pleuré à cause de moi. J'ai changé mon mot de passe. Changer ton mot de passe. Sur quel téléphone? Les deux. Non, t'as le droit à un seul. Non, les deux. Tu peux en choisir un des deux. Les deux. Pourquoi les deux? Parce que les deux. Vas-y. Mais je gagne quoi si je te rechange mes codes? Tu remets ton mot de passe. Pourquoi? Parce que... Dépêche-toi, c'est je joue pas avec toi. Vas-y, mais tu me saoules. Remets ton mot de passe. Non. Je remets mon mot de passe. Tu mérites. Oh, arrête de pleurer, viens ici. Bébé, tu peux me passer mon téléphone, s'il te plaît? Non. Non. Attends. Avant, je vérifie un truc. Quoi? Si mon beau visage déverrouille toujours ton téléphone. Pourquoi ça marche pas? T'as changé le code? Non! T'as changé le code! Essaye mon code, tu vas voir! Je veux pas qu'on voie mon code. J'ai trop peur. Tu peux l'avoir? Tu m'as fait la peur de ma vie! Oh mon dieu! Les gens, aujourd'hui vous allez m'accompagner, je vais faire un petit cadeau à mon petit bébé! Les gens, j'ai la haine, y'a rien à voir avec le truc que je devais prendre à Anya. Genre les modèles, ils sont trop trop moches. Coucou mon cœur! C'est quoi? C'est pour moi? Je me suis dit que tu méritais un petit cadeau, voilà. Pourquoi j'ai fait quoi? Pour la plus belle des princesses. Oh, merci mon amour! Ça, c'est le meilleur cadeau que toutes les femmes aiment au monde. Allez, ouvre-le. Par contre, de base, c'était pas ça que je voulais prendre. Je te mens pas, c'est la dame, elle m'a dit nouvelle collection, c'est Space. Je vais aimer? Je vais aimer ou pas? Je sais pas. Ah, c'est très bien, on va aller. Ok. Waouh, c'est trop beau. Ma vie, fais pas l'hypocrite pour un TikTok, là. Ça ah. T'aimes bien ou pas? Ouais, par contre, c'est haut. Je vais être grande. Mais sinon, c'est beau. T'aimes pas? Ben si, mais je vais être grande. Non, j'ai la haine, les gens. Je vous l'avais dit que c'était trop moche. Attends, je vais essayer, je vais voir. Porter, peut-être que ça va donner au-dessus. Non, ça se voit que t'aimes pas, mon cœur. Attends, vas-y, regarde, j'avais mis. Je te jure, ça se voit que t'aimes pas. Mais non, attends. Attends, on va essayer tout de suite. Ah non, je te jure, j'aime trop. Mais ma vie, c'est pas ma taille. Mais c'est du 38. Mais, je peux pas rentrer dedans. Ah si. Oh, je te jure, j'aime trop. C'est vrai? Oui, ma vie, je garde. Merci, mon bébé. Je te jure, j'aime trop. En plus, c'est nouveauté. Oui. Y a personne qui. Bébé, est-ce que t'es au courant qu'on peut se transférer de la batterie avec le nouvel iPhone? Mais pas du tout. Mais si! Mais pas du tout. Mais si! Bah montre-moi. On aura besoin de l'ancien chargeur. Ouais. Ah mais fais ça! J'ai 14% avec mon iPhone 15 Pro Max. J'ai 2% avec le 14 Pro Max. Et vu que dans le nouvel iPhone, c'est un autre embout. Regardez, vous prenez l'ancien embout. Vous le mettez là. Et là? Ça marche pas? Mais ouais. Attends, viens, échange. Mais c'est quoi cette colle? Mais j'ai vu ça sur le Benoît. Mais les gens, j'ai pété un câble. Mais c'est quoi cette arnaque TikTok? Benoît, comment t'as fait? Les gens, l'iPhone, il est cassé là! Oh, j'en veux plus! Eh, mais ça, moi, je le récupère. Hein. Je vais aller charger avec ma prise normale. Mais comment on fait? Attends, non, mais c'est pas possible. Mais ma vie, c'est une arnaque. Mais non, mais j'ai pas vu, y'a pas que Benoît qui a fait ça, y'a d'autres gens qui l'ont fait. Non, mais t'as dit, tu le fous, moi, je le vois. Allez, c'est bon, il marche plus. Mais donne-le-moi. J'en veux plus. Allez, va te faire foutre. Je suis arrivé avec 47 minutes de retard. Ah, mais enfin, c'est pas trop tôt. Quoi? Mais ça fait déjà 47 minutes que je t'attends depuis tout à l'heure. Je suis désolé, ma vie. Mais t'es sérieux, tu me fais attendre moi? Mais... Une beauté pareille comme ça? T'as pas honte, en fait? Il avait les bouchons. Non, mais sérieux? Les bouchons, ça excuse pas, en fait. Moi, je me suis préparée, j'ai pas dit il y avait les bouchons. Bah, je suis désolé, mais mon cas. Je sais pas, tout le monde serait content d'avoir une bombasse comme ça dans sa voiture en fait. Bah... Non, on dirait que tu te rends pas compte en fait, t'es sérieux ou quoi? Bah oui, t'es trop belle, je suis mais désolé. Mais tu fais pas attendre en fait, tu peux être bombée à retardement. Oui, bah pardon, j'ai pas fait exprès. Bah, si t'étais si pressé à ce point là, fallait prendre le bus. Bah non, j'aurais dû prendre une fusée vu que je suis en avion de chasse. Non, sérieux bébé, fallait prendre le bus si t'étais pressé. Ah! Moi prendre le bus? Mais t'as vu ma tête ou pas? Est-ce que j'ai le droit à prendre le bus? Mais t'es sérieux ou quoi? Je me suis apprêtée pour prendre le bus. Ah ouais, en plus là t'as un mini rap quoi. J'ai mis un petit nœud pape et tout, prendre un bus. Mais ça va pas ou quoi? Mais tu me respectes pas en fait. Non mais dans ce cas là, vas-y, enfin je sais pas, dis-moi j'ai mangé un grec aussi non? Enfin je sais pas, respecte-moi un minimum. Oui bah on peut aller au resto, c'est bon je suis là. Bah non. Bah quoi? Bah je vais au grec. Mais j'y vais toute seule sans toi. Mais bébé j'ai pas fait exprès. Non mais c'est bon, tu m'as déçu. Mais pardon ma vie, j'aime trop ta robe. Non je vais au grec. Elle me sexiste. Non je vais au grec. Je la fixe dans les yeux et elle se crame toute seule.
pas, tu me regardes comme ça. J'ai un truc sur le visage. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je suis belle. Arrête. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu lèves les sourcils? T'as cramé? T'as cramé? Non, attends, en fait, j'ai t'expliqué. Je te jure, j'ai pas fait exprès. Tu t'énerves pas. Bébé, s'il te plaît, t'énerve pas. Arrête de faire cette tête, j'aime pas. On n'était pas encore vraiment ensemble. Je te jure. On n'était pas vraiment ensemble. Ça va, je l'ai qu'embrassé, c'est rien. J'ai pas couché avec lui. C'était juste un petit bisou. Je sais plus si il avait la langue ou pas. Mais c'est rien. Bébé, mais je sais. Ah, c'était pas ça? T'avais pas cramé ça? Hein? T'avais cramé ou pas? Réponds. Ah, j'en ai balance. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais je rigole, c'est pas vrai. C'était faux. Mais non, mais pleure pas. Donc là, t'es en train de me dire que t'as embrassé quelqu'un? Ah non, c'était faux, c'était une blague, c'était une petite blaguinette. Donc limite, en fait, t'es en train de me dire qu'embrasser, c'est pas tromper. Non mais mon cœur, c'était il y a longtemps, on était même pas ensemble encore. Non mais on était juste amis. C'était juste un challenge TikTok, là tu vas te piller toute seule, ma pauvre fille. Ah bon? À ce qui paraît, les mères n'aiment pas qu'on claque les portes. Maman, on y va? Ouais. Tu veux un truc ou pas alors? Juste de coca, chérie. Bon, vas-y, on se dépêche, on arrive. Ça va? Ouais, ça va. Tu vas me crier? Non, c'est Mentos. Ah, on a cru qu'il y avait un problème. Non, par contre, si tu peux fermer juste un petit peu la porte. Ah, ok, t'inquiète. T'inquiète. Bon, on se dépêche. Ouais. La porte ferme, merde! Ma belle, ça va? Maman, j'ai juste ça va? Demandé un truc. Est-ce que tu fais du coca chérie ou du coca zéro? Coca chérie, je suis pas au chérie, au régime, je suis pas ta belle. Ok, ma belle. Doucement. Bon, on se dépêche, ma chérie. Allez, tu... La porte, c'est pas vrai, j'en ai marre de... C'est pas possible. J'en peux plus. Je t'ai entendu pleurer, ça va? Ça va? Tout va bien. Je te sens un petit peu... Sur les nerfs. Ça va? Oui, ça va. Bon, on se dépêche, ma belle. Non, là... Avec des glaçons ou pas, ma belle? Y'a pas dans les bouteilles, y'a pas de glaçons dans les bouteilles. Bon, on se dépêche, ma belle. La porte, non, mais là... j'en peux plus, j'en peux plus, mais quelque chose! Maman? Maman? Va faire les courses! Je lui fais croire qu'elle est décédée. Bébé! Bébé! Réveille-toi! Réveille-toi, bébé! Pourquoi t'es mort? Bébé! Quoi? Je suis là, bébé! Réveille-toi! Réveille-toi! Bébé, réveille-toi! Allô? Maman, elle est morte! Comment ça, elle est morte? Je te jure, respire, puis elle est morte! Comment je vois ma sauce cardiaque? Elle est allongée, elle comprenne sa poitrine, appuie, une, deux, une, deux. Mais bébé, je suis là. Maman, elle se réveille pas, elle se réveille pas. Je suis bébé. Ensuite. Je suis sans doute. Bébé, t'es sans doute. Maman, elle se réveille pas, elle est morte. Je suis mort. Mais c'est quoi le numéro, elle est morte? Oh, la fille, un 18. Maman, viens. C'est le tagine poulet citron, son plat préféré c'est le McDo et le fish plus précisément. Alors son plat préféré c'est les pâtes à la tomate, il aime trop ça. Et moi c'est le McDo ou les hamburgers. Ma boisson préférée c'est le Fanta et sa boisson préférée c'est l'eau. Ma boisson préférée c'est le Coca et lui c'est l'Ice Tea ou le Fanta, je sais pas. Mon chanteur préféré c'est Jules, son chanteur préféré c'est Ninho. Alors moi c'est Ninho, l'homme de ma vie, et lui c'est Mohaka ou un truc comme ça, Marwalo. Son pays de rêve c'est Punta Cana et son pays de rêve c'est les Maldives, sauf qu'elle a pas l'oseille pour y aller, voilà voilà. Alors moi mon pays de rêve c'est les Maldives, et lui c'est Bahamas ou Thaïlande. Sa marque préférée c'est Louis Vuitton, sa marque préférée c'est Hermès. Alors sa marque préférée c'est Louis Vuitton mais à 1000%, et moi c'est Dior. Ma marque de voiture préférée c'est Mercedes, la sienne, je sais pas, je sais pas bien conduire, on va dire Mercedes.
Alors ma voiture préférée c'est une Urus Lamborghini et lui c'est Mercedes. Merco. Mon application préférée c'est Snapchat, son application préférée c'est TikTok. Son application préférée c'est TikTok et Snap et moi c'est Snap. J'aime trop Snap mais que personnellement. Waouh! Aïe! Les gens gros problème, regardez dans quel état est Anya. J'ai mal au doigt. Je vais faire caca. Vas-y à toutes. Elle est en train de jouer avec le chien. Regardez son ongle. Je sais pas si vous voyez, mais il est tout déformé. Ça va mon cœur? Tu pleures ou tu rigoles là? Les deux. Perds mon doigt, je te dis, perds mon doigt, comment je vais faire? Faut aller à l'hôpital. Non. Allez, si on va à l'hôpital. Ah, par contre, il y a un vrai problème à tous tes ongles. Allez, go, on y va. Hôpital. Non. Les gens, on vient d'arriver devant chez l'ongliste. Vas-y bébé, et arrête de faire genre tu sniffes. Vite. Les gens, on dirait que la dame, elle s'inquiète. Madame, vous allez réussir à réparer l'ongle, là? Je me suis mangé un moment. Bon, du coup, Agnès va arracher ses griffes. Pas trop déçue. C'est quoi ça, les gens diraient que Agnès passe au chirurgien? C'est pour te tuer ou quoi, Agnès? Je sais pas, j'ai peur. Les gens, ça y est, elle lui enlève son pouce. Ah bah c'est bon, t'as plus mal. Tu vois, il n'y avait pas besoin d'aller à l'hôpital, au final. Vous voyez les filles, arrêtez de mettre vos griffes là sur les ongles, ça abîme grave les ongles. Bon, t'as plus mal? Si, encore un peu. Hein. Tu veux, Dan, je te fais un bisou magique. J'ai plus mal. Menteuse. Bébé, demain, tu vas avoir tes règles. Nous entrons en état de crise. Toujours plus le mec, MDR, c'est des règles. Hein. J'ai anticipé la chose. Tu peux ouvrir les enveloppes. Donc, tu commences par le R. Oh ma vie, c'est quoi? Le R de... Rose! Parce que t'es ma petite Rose, t'es mon bébé, t'es oh, ma femme. Oh, t'es voilà. Trop mignon, bébé. Elle sent trop bien. Ensuite. Le E. De. Qu'est-ce de grossesse? Enfant. Le E de enfant, ma vie. Ça y est, t'en as pas marre d'avoir tes règles. Ça fait mal au ventre. Il faut passer le cap, il faut avoir un bébé. C'est ça. Ensuite, le G. C'est gros. De. Gâteau. Gâteau. Je t'ai pris plein de gâteaux, voilà, parce que je sais que quand t'as tes règles, t'as faim. Je te mangeais. Le L de... L de... Bah, la lingerie, ma vie. C'est une blague. Une fois que t'as plus tes règles. Ouais. Faut que tu t'occupes de moi. Ouh, j'arrive. Suivant. Le E de... épilation. T'as signé quoi, là? Nous, les mecs, on sait que quand vous avez vos règles, votre ZZ, c'est la forêt noire, c'est la jungle, c'est l'Amazonie. Ma vie, c'est le repos. Et le dernier, le meilleur pour la fin, le S. Je sais, j'aime pas les sucettes. Mmh. Ah, elle est petite, je peux faire un tien. Agnès. 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 Smile. Pour les gens, aujourd'hui, on est le lundi de Pâques. C'est parti, aujourd'hui, on va faire la chasse aux œufs pour Agnès et ma mère. Je pense que tous les œufs qui rentrent, on va les distribuer à nos abonnés. Regardez les gens, il y a une sirène. Bon, est-ce que vous voulez que je vous prenne la sirène? Bon, bah oui, je vous prends la sirène. Il y a un chocolat chat, Castagnette, regardez. On va prendre un cheval. Regardez les gens, il y a un Pokémon. Regardez, c'est un Kinder Surprise. Je vais prendre un deuxième Kinder. Ensuite, je vais prendre un poulet. Je vais mettre sa poule, c'est sa femme. Je vais prendre un deuxième Pokémon. Regardez, c'est des Maxi Kinder Surprise. On reprend un deuxième pour Agnès, sinon elle va être jalouse. Regardez, il y a Kinder Fleuriste, on peut faire pousser des Kinder. Regardez, il y a des mignons. Je prends un deuxième mignon. Ensuite, je vais rajouter les Kinder en chat. Regardez comment ils sont trop mignons, ils ressemblent à Agnès. Regardez ceux-là, comment ils sont trop mignons. Il y a le mouton, la chienne et la grenouille.
Donc ensuite, il y a les Kinder Princess, donc je vais prendre ça pour elles. J'en ai pour 100 balles de chocolat pour les filles. Et du coup, maintenant, il faut que je remplisse le panier pour vous. Les gens, regardez tous les chocolats. On va les cacher partout dans le jardin. Par contre, la chasse aux œufs, elle se fera sous la pluie. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais il pleut. Et après, je vous offrirai les chocolats dans la rue. On cache les œufs dans le prochain TikTok. Bonne fête de Pâques à tous ceux qui fêtent Pâques. Bon, les gens, on va cacher tous les œufs de Pâques. D'ailleurs, les gens, on va faire la chasse sous la pluie. Regardez comment tout est mouillé. Donc, je mets le Pokémon juste là. Je mets le Kinder Princess juste là. Donc, les gens, je vais mettre la vache juste ici. Le Kinder, je vais le mettre juste là. Je vais mettre le deuxième Kinder. Juste... Ah! Ah! Oh non! Il s'est cassé. C'est bon, j'ai réussi, je l'ai mis là. Je vais mettre un chat juste ici. Et le deuxième chat juste ici. Le kit pour faire pousser des Kinder, je le mets juste là. Et le deuxième, je le mets... Oh, non, ça tient pas. Bon, du coup, je l'ai mis là. C'est fatigant de cacher des chocolats, hein. Je mets un Kinder Princess comme ceci. Je mets le Pokémon comme ça. Je mets une chèvre ici sur le banc. Ah, mais c'est pas des chèvres, c'est des poules. Bon, je la mets là, la deuxième. Je mets un Kinder ici. Et le dernier Kinder, juste là. Bon, j'appelle Anya et ma mère. C'est bon, vous pouvez venir, tout est caché. Hé, hey, pas de triche, doucement. Maman! Hé! Hey. Hey, vous restez, bougez pas. Attends. Regardez les tricheuses. Hé! Hey. Vous faites la chasse au trésor dans le prochain TikTok. Non! Je lui donne du cochon pour voir sa réaction. Avi, ouais. Tu fais quoi? Hé, hey, regarde, la voisine, elle m'a donné ça. Elle m'a dit c'était trop bon, c'est du saucisson séché. Tu veux goûter? T'as goûté? Moi, j'ai goûté trop succulent, ma vie. C'est bon ou pas? T'as mangé là? T'as mangé? Non, mais. C'est un petit goût. Solo. Petit saucisson sec. Tu m'as donné du halouf. Ouais. Ah non, je dois même pas dire ça. Tu vas aller en enfer, tu m'as. Non, c'est pas bien ce que tu fais. Non, je te jure là, non, là, là. Oh là, mon Dieu, ma vie, t'as mangé du porc. Non, ce que tu fais. Non, je te jure. Mais pourquoi t'as avalé? Non, non, là, c'est mais pas pourquoi drôle. T'as. Mais c'est trop tard, ça sert à rien de cracher, hein. Non, là, Anya, c'est pas drôle ce que tu fais. Là, ça me fait pas rire. Non, là, de la merde. Mais t'as dit que ça kiffait, t'as dit que ça. Ça me fait pas rire ce que tu fais. Tu joues à quoi, Anya, là, me donner du cochon? Ah, tu putes la gueule sur le sauciflard. Anya, je rigole même pas avec toi, je te jure, là, j'ai pas envie de rigoler. Là, t'es en train... là ça me fait pas rire. Là, je te parle sérieusement, ça ne me fait pas rire. Mais non, mais. Non, là, c'est pas une. Je m'en fous de ta vidéo de merde, ça me fait pas rire. Va te faire enculer ce que tu fais, tu fais des trucs dégueulasses là. Mais t'es sérieux ou quoi, Putain, c'est haram ce que tu fais. Putain, va te faire enculer. Ah non, mais c'est. Est-ce que je dis la vérité, en vrai de vrai, c'était du bœuf séché, mais c'est trop vénère là pour rien. Les filles, est-ce que je leur donne une astuce pour qu'ils gagnent plein d'abonnés qui percent sur TikTok? Oui. De toute façon, ce TikTok ne passera même pas dans vos. Pour toi. Et seuls Lilith verront ce TikTok. Il y a un nouveau son qui vient de sortir que je te mets juste ici. T'as juste à faire un TikTok dessus et tu vas voir, tu vas percer les lieux et tu vas gagner plein d'abonnés. Et en plus, on passe liker tous vos TikTok, donc identifiez-nous sous vos TikTok. Bon, comme vous avez tous vu, du coup, on vient de rentrer hier soir à Paris. Donc hier, on a pu voir les dégâts autres que sur les photos, donc de ce que nous avons envoyé. Comment vous dire qu'on est choqué? Genre vraiment, je pensais trop que c'était un cauchemar. Et que quand j'allais rentrer, genre, il n'allait rien se passer, genre c'était faux, que nos articles allaient être là et tout. En fait, c'était bien réel. Je vous jure, j'étais tellement contente de rentrer chez moi. Genre, ça faisait 2 mois. Et là, quand je suis arrivée, bah, je me sens plus chez moi. Genre, la porte a été déjà ouverte. Genre, carrément, je vous jure, j'ai sorti les clés. En fait, j'avais pas... Franchement, j'étais perturbée, j'ai sorti les clés alors que la porte elle était déjà ouverte. Genre vraiment, je réalise pas en fait. Auparavant, on s'est jamais fait cambrioler et vraiment, je suis choquée de tout ce qu'il y a à faire. Genre vraiment, c'est la pire rentrée qu'on pouvait avoir. Je suis vraiment en train de me préparer pour aller au commissariat parce que du coup, on a plein de trucs à faire, des papiers, etc. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires. J'ai vu, il y avait plein de gens qui nous soutenaient. Donc franchement, merci beaucoup, ça nous fait très très plaisir. On a besoin de ça dans ces moments, dans les moments comme ça. Après, bien évidemment, il y a toujours des gens qui se réjouissent genre de votre malheur. Donc, il y en a qui étaient contents, il y en a qui disaient carrément c'était nous qui avons fait ça, genre carrément. Ils ont dit genre c'est nous, on a cassé la porte et tout. Alors déjà, qui casse une porte pour le buzz? Et ensuite, genre, quand on l'aurait cassé vu qu'on était tout le temps en vacances? Enfin bref, les mauvaises personnes, on les calcule pas. Et en tout cas, bah, merci pour tous les autres. Je vous cache pas qu'on va vite dégager de cet appartement parce que clairement, il me fait flipper, genre je vous jure. Hier soir, j'entendais des bruits et tout, j'étais pas sereine, genre je flippe, une flippette. Gâterie du 8 demi. Je pense que ça se voit sur mon visage, mais ça va beaucoup mieux par rapport à hier et avant-hier. En ce moment, je vous jure, je suis trop une meuf du matin. Genre maintenant, je me réveille à 11h, alors que d'habitude, je me réveille genre à 15h et tout. Je vous jure, je suis trop fière de moi. Du coup, j'explique comme je me suis levée tôt. Ce matin, j'ai fait des papiers et j'étais choquée parce qu'il y avait plein d'enfants dehors. Et en fait, j'avais oublié que c'était la rentrée.
Genre ça y est là, les vacances c'est terminé officiellement. En mode les prochaines vacances là, ça sera au mois de octobre. Enfin bref, j'espère que vous, votre rentrée s'est bien passée. Nous elle a très mal commencé, donc j'espère qu'elle va bien se terminer au moins. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en ce moment je suis en pleine repousse de mes cheveux. Genre j'ai vraiment envie d'avoir les cheveux jusqu'aux fesses. Genre je vous jure que carrément je fais des bains d'huile une fois tous les deux jours. Genre vraiment là je me dis c'est la rentrée, nouvelle résolution. Et ma résolution c'est d'avoir les cheveux longs. Voilà. Est-ce que vous aussi quand c'est la rentrée vous faites des nouvelles résolutions genre en mode je vais faire mes devoirs et tout genre. À chaque fois pour la rentrée on est pleine d'ambition et après une fois la rentrée passée genre une semaine après on a tout oublié. Si vous avez remarqué mais j'ai littéralement plus aucun fossile, enfin il m'aurait juste un dernier survivant ici. Du coup maintenant je dois remettre des fossiles et je vous jure que j'arrive plus à les mettre. Genre vraiment la colle et tout j'arrive plus, genre sur mes yeux je supporte plus. Bon du coup j'ai pas le choix, je ferme ma gueule et je colle mon fossile. Regardez j'arrive plus, je vous jure j'arrive plus. Oh attendez déjà je fais n'importe quoi, j'ai retiré la farine que j'ai en dessous. Parce que je vous jure ça me pique l'œil avec la colle. Ah je vous ai même pas dit, en fait là je suis en train de me maquiller pour aller manger avec nos amis. Je suis trop contente. Parce que oui en fait on a des amis, incroyable hein. D'ailleurs pour ceux qui demandent pourquoi il n'y a pas notre chien, c'est clairement que là on a trop de papiers à faire, genre vraiment on a trop de trucs à faire et on va bientôt la récupérer une fois que tout se sera calmé. Parce que vraiment ça sert à rien d'avoir le chien maintenant, parce que clairement on pourra même pas genre bien la sortir etc. Quoi? Bon allez je suis en retard, faut que je m'habille et j'y vais. De retour chez Optique Ange. Oh my god, toutes les lunettes! Je vous jure, il y a vraiment que des pépites qu'on voit que chez Optique Ange. Regardez ces lunettes Fendi. Oh, mais trop incroyable! Il y a même des lunettes de Schtroumpf qui sont très 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 belles. Mais des lunettes violettes, mais j'ai jamais vu des lunettes violettes, je suis choquée. Des lunettes bouche. Alors là, les filles, des lunettes bouche, mais qui fait ça? Regardez les formes, on dirait que je regarde un film 3D. Il y a même des lunettes de vue au cas où vous êtes bigleux et que vous voyez très très mal, genre comme moi. Regardez ces lunettes de vue, mais elles sont canon. Quoi? Mais tu seras trop sexy. De quoi? Ah, tu veux j'essaie une lunette? Ouais. Ok, vas-y, attends. Je ne dis plus jamais ça, t'as compris? Donne-moi la lunette. Ah, mais j'ai pas. Alors, tu m'as donné des lunettes d'Harry Potter. Tu te calmes tout de suite, hein, je suis optique. Mais t'es ma prof. Non, je suis pas ta prof du tout, mais t'es malade ou quoi là? Je suis pas ta prof, comment ça je suis ta prof moi? Eh, je suis pas ta prof. Bah pardon. Mon coin préféré que Zizou va me prendre une lunette, ma vie, je veux des lunettes Dior, s'il te plaît. Je dis pas je vends, je voudrais m'adresser, va. Et il y a même des petites lunettes pour les enfants. Ils pensent vraiment à tout, Optique Ange. Du coup, bah moi j'ai craqué pour ces lunettes. Est-ce que vous aimez bien? Catherine Dubuis doit être partie dans 10-15 minutes maximum et je suis même pas prête. Hier on a eu une interview. Oh, aujourd'hui on a une interview aussi avec la mère Azizou. Ça va être trop drôle. J'ai trop la haine parce que clairement quand je dois maquiller pour rien faire, je suis trop belle. Et là quand je dois maquiller pour une interview, je vais être dégueulasse. Regardez mes sourcils déjà. Cette semaine on a eu beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui on est vendredi, ça y est, la semaine elle se termine. Enfin. Je suis choquée, genre ça fait une semaine que l'école elle a repris, mais ça passe vraiment trop vite. Oh non, je viens de perdre mon fossile. Je l'ai mis derrière mon téléphone. Voilà, les filles, c'était mon dernier fossile potable qui me restait. Comment je vais faire? C'est toujours quand on est en retard qu'il se passe des dingueries comme ça. Les filles, là, j'ai un fossile et l'autre, il était posé à côté. Je vous jure qu'il est plus. Genre, il est parti de la salle de bain. J'ai trop la haine. Moi, là, j'ai le temps de chercher un fossile alors que je suis archi en retard. Je dois partir dans 5 minutes. Les filles, regardez où il est mon fossile. Je l'avais même pas vu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non mais attendez, ne me dites pas que depuis le début de la vidéo j'ai un fossile accroché ici. Parce que là clairement c'est, en fait c'est la honte là. Wesh, personne n'a rien dit. Mais c'est pas possible, cette journée c'était une catastrophe. Je suis en train de me coiffer les sourcils, regardez. Mais toujours quand je suis en retard il se passe des trucs comme ça. Ma fille a un gros problème là, Zizou il est prêt et moi je suis pas prête. Genre là il va me stresser et j'ai raté mon maquillage là. Le pire c'est que j'ai même pas fait mes cheveux. J'ai même pas fait ma tenue, j'ai même pas choisi ma tenue. Depuis que j'avais fait les extensions de cils, ils mettaient plus de fossiles. Et je vous jure que j'arrive plus à mettre de fossiles, genre vraiment. Allez, vite, je retors. Oh, y'a rien qui va. J'ai fini mon maquillage, je dois brancher mon visage. T'es pas prêt? Hein? T'es pas prêt? Non. Mais dépêche-toi. Bon, vous savez quoi, les filles, je vais finir de me maquiller dans la voiture. Là, je me lisse les cheveux, je m'habille et je vais y aller. Bisous. Les filles, je viens de rentrer de chez Zara, j'ai pris que des tenues aléatoires. J'explique, je vais les essayer avec vous parce que en fait, j'ai tout pris et j'ai pas pu les essayer parce que les cabines étaient fermées. Du coup, je sais pas comment ça va rendre. Déjà, j'ai pris un pantalon comme ça, kaki. J'aime trop, genre, les pantalons comme ça. Avec, je sais pas si ça va avec, mais en tout cas, c'était à côté. Donc, un haut de la même couleur que le bas.
Bon, je vous montre tout et après j'essaie. J'ai pris un autre bas à peu près similaire que l'autre, mais en beige. Avec le haut du coup qui est à côté. Mais je me suis trompée, les filles, je l'ai pris en M. Alors que moi, le haut, je prends du S. Donc on verra ce que ça remportait, mais j'ai très très peur. Ensuite, j'ai pris un petit débardeur comme ça, vous savez, genre beige, basique, classique. J'ai pris ensuite, les filles, un petit jogging comme ça, j'aime trop. Genre, c'est trop la base, on est trop à l'aise dedans. Pour finir, j'ai trop hâte de tester. C'est genre ce jean, il a l'air incroyable. Genre, il est super long. Donc, comme je suis grande, on va voir ce que ça donne. Du coup, les filles, j'ai changé d'emplacement, comme ça on voit mieux. Donc voilà, le pantalon vert. Sans le haut, donc j'aime trop le rendu, vraiment incroyable. Eh, franchement les filles, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime trop avec des petites baskets et tout pour aller à l'aéroport, mais trop calme l'ensemblement. Bon, du coup les filles, le haut là, c'est bien ce que je pensais, en M ça va pas du tout. Et le pantalon, bah je suis pas très fan, en plus ça va de poche. Et j'aime pas, ça fait pyjama, je sais pas. Alors là les filles, j'aime trop le jogging, il est incroyable. Et le petit top comme ça, j'en voulais trop genre. J'en avais plus et j'aime beaucoup genre le style comme ça. Ça avait trop confortable. Si le jean il est incroyable. Parce que tu vois, vous ne rendez pas compte, il est super long. Regardez, il traîne par terre. Il est juste trop trop beau. J'aime trop ce jean. C'est mon jean préféré. Je mets de la crème dans un verre pour voir s'il va goûter. Ma vie, tu peux tenir ça s'il te plaît vite fait. T'en manges pas, hein. Ça se mange pas, bébé. Non. T'en manges pas, hein. Non. Arrive, je te dépêche. Sur la peau? Bah oui, pourquoi? C'est ma nouvelle crème, c'est pour briller. Oh, elle est incroyable. Sans l'odeur. Ah ouais, j'ai la vanille. La vanille, mamie, je suis trop contente de mon achat. En plus, ça coûtait cher. Oh là là. Oh, t'en as mangé? Non. T'en as mangé? Non. Ma vie? Quoi? Ouvre la bouche. Mais dis pas que t'en as mangé. Pourquoi? C'est une crème qui te donne la chiasse. Non. T'en as mangé? Non, mais tu vas avoir la chiasse pendant 10 jours. Bon les filles, je suis avec ma voisine, elle s'appelle Sarah. Bonjour, tout le monde. C'est aussi ma copine. Et du coup je vais te faire un maquillage parce que ce soir elle a une soirée. Donc je vais faire un truc très léger, c'est ça? Ah ouais. Donc du coup je sais pas. Attends, si... je vais juste jeter mon son d'âme, je reviens. Deux secondes, ok? Les filles, je vais lui faire un maquillage hyper hyper chargé. Elle est même pas prête, elle va péter les plombs. Sarah, je vais te commencer par le teint. Donc okay. Regarde dans cette direction, s'il te plaît, tu regardes plus la caméra. Ça va. J'aurai une meilleure angle de, de ton visage. Donc les filles, c'est un anti-cerne de chez Arbutty, mais j'utilise du coup en fond de teint. On va ensuite passer à l'anti-cerne parce que je t'avoue que t'as vraiment des cernes. Oh, c'est vrai? Non, je rigole un petit peu. Vous voyez, tu sais que c'est la première fois que je mets un anti-cerne. Mais t'es pas sérieuse? Bah si, je te jure. Mais en fait, tu te maquilles jamais quoi. Bah si, mais très peu quoi. Donc là, je vais te faire un petit contouring du nez, ok? Ok. Et du visage aussi. T'inquiète pas, c'est très léger, même si ça dit, j'ai dit contouring, hein. T'inquiète. Bon là, je t'ai fait le contouring du nez et du visage, j'ajoute un petit peu de poudre. Ok, très léger toujours. Très léger. Je passe un petit peu à l'highlighter pour que tu brilles demi. Ah, j'adore ça. Wow. J'ai cru que c'était regardé. Bon, du coup, tu triches pas et on va passer aux sourcils. Donc, t'as les sourcils un peu fins. Ouais. Je vais faire un petit peu gros quand même. Ok. Bon,
Bon, les filles, je lui ai fait ses sourcils. Tu regardes pas, tu triches pas. Non. Maintenant, non. On passe au blush. Voilà. On va te mettre un petit peu de blush. Faire un petit peu de fard à paupières. T'inquiète pas, c'est du beige, il se voit même pas du tout. Ok, donc toujours naturel. Toujours naturel. On passe au mascara. J'ai peur de lui crever un œil. Bouge surtout pas sinon t'as plus d'œil. Hein. Ah non, arrête. On passe aux lèvres, on a fini. Franchement, je suis dégoûtée parce que c'est trop beau en fait. C'est vrai. Oh, j'ai rien vu. Tu vas être choquée. Ok, donc là j'ai fini, tu t'es pas vu, on est bien d'accord? Non, j'ai peur, je sais pas ce que je crois que tu vas être amoureuse de mon maquillage en fait. J'ai raté mon truc, ouais. Bon, là il y a un miroir, on va voir ta réaction en direct. Vas-y, regarde-toi. Oh, mais c'est trop beau. Oh là là, t'es trop fort, Tania. Putain. T'aimes bien? Ouais, j'adore. Bon, juste les lèvres, peut-être un peu fort. Attends, regarde-moi. Non, c'est pas un peu trop les lèvres? Mais enfin, en vrai, ça va. Peut-être que je suis choquée parce que je suis pas habituée pour les lèvres. Ah, t'es choquée là? Non, les yeux de folie, le fond de teint, le teint, j'adore. T'es canon. Mais tu sais, faut que je t'avoue un truc. Je voulais te faire moche en fait, je voulais te rater. Mais non, pas du tout. Quel rapport me rater? J'ai ma soirée, comme tu sais, ma soirée, mais si je suis ratée. Ah oui, mais j'adore.